Comment me préparer mentalement à un marathon? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de 3 ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc là, aujourd'hui, c'est une question qu'on m'a posée. Mon objectif principal est le marathon pour tous en 2024. Comment est-ce que je peux me préparer mentalement à cette épreuve qui comprend un D+ important tout en gardant un maximum de plaisir? Cette question, elle est vraiment déjà elle est un peu générale. C'est-à-dire que là, je ne sais pas le niveau. Est-ce que c'est quelqu'un qui débute, qui n'a jamais fait un marathon? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait d'autres disciplines de course à un bon niveau et qui veut passer sur l'échelle du marathon? Non, la question qu'on pose, c'est tout en gardant un maximum de plaisir, et je pense que c'est la chose qui est clé. C'est pourquoi je vais faire ce marathon? Est-ce que je le fais? C'est intrinsèquement important pour moi et j'adore et je me vois, quand je me visualise faire ça, je me dis waouh, ça va être dur, mais je vais kiffer et je vais prendre du plaisir. Et ça, c'est la base, de garder le plaisir. Pour garder le plaisir, bah, c'est important de se détacher du résultat, d'avoir une intention de résultat et en même temps, bah, c'est pas grave si le résultat n'est pas là, il y aura autre chose de bien aussi. Ça, c'est la première étape. Si c'était quelqu'un qui a jamais fait de marathon, qui veut se lancer sur un marathon où il y a en plus du D+, déjà, première étape, je dirais, ok, est-ce que c'est vraiment important pour toi ce marathon ou tu le fais pour les mauvaises raisons? Pour te mettre une étiquette de je suis fort, je l'ai fait, etc. Pour te prouver une valeur vis-à-vis de ce marathon, oui ou non? Si c'est non, bah, tant mieux. Si c'est oui, il y a peut-être des choses à travailler. Mais si c'est non, bah, vas-y comme ça. Si ensuite tu te dis je le fais parce que quand j'aurai fait au moins je pourrais me dire que je serai fier de moi parce que je suis fort, bah, va voir déjà sous quelle forme t'exprime ta force et tu vas voir que tu n'auras pas du marathon pour être fort et que tu l'es déjà. Et ce n'est pas l'extérieur qui donne quelque chose, c'est vraiment de l'intérieur plutôt vers l'extérieur. Ensuite, la troisième étape, sachant qu'il y a un D+, moi je ferai vraiment une dépolarisation inversée sur le D+, aller voir ok, qu'est-ce qui m'impressionne chez le D+, sous quelle forme moi aussi j'ai le même trait de caractère, parce que les traits de caractère on peut aussi les faire sur des objets. En séminaire on apprend aux gens à faire des dépolarisations sur des objets, sur des timers pour pouvoir faire en sorte que les athlètes lâchent le fantasme du temps et peuvent être libérés de la pression de faire un temps et un chrono. Donc moi j'irai faire une dépolarisation inversée sur le dénivelé positif jusqu'à être libéré de ça, dire ok bah, je l'accueille comme un challenge, je suis content pour ça et j'avance. Et enfin, bah après, j'irai plus consulter des gens sur de la préparation, une bonne préparation physique, m'adresser aux bonnes personnes et ne pas y aller fleur au fusil parce que là, j'ai encore un ami en tête qui a fait un marathon en partant comme ça, un peu en mode ça va le faire. Et finalement, il a mis, je crois, plus de 5 heures à faire le marathon, donc c'est quand même beaucoup, même s'il l'a fini, mais il était déçu, mais en effet, il ne s'est pas assez entraîné. Et j'ai un autre ami qu'on a refait aussi récemment, il m'a dit, ouais, c'était son premier, il m'a dit, j'ai sous-estimé la difficulté et c'est vraiment très intense un marathon. Donc c'est vraiment être prêt avec le prix à payer, de, ouais, il y a une belle prépa à faire, même si pour le plaisir, ça reste 42 km, je pense, de mémoire. C'est quand même costaud un marathon et donc la préparation physique à mon sens doit être vraiment bien mise en place et enlever les il faut, je dois m'entraîner qui sont en boucle afin d'être vraiment centré sur donner le meilleur de soi et peu importe le résultat. Et plutôt se concentrer sur qui on devient parce que qui on devient on pourra l'emmener toute notre vie et ça c'est plutôt enrichissant de se dire qu'on a franchi des étapes à travers ce marathon. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir, pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.